Nancy. Vine pas loin pour le carnaval. Alors comment t'as trouvé le carnaval là en 2020? Très bien même. Franchement, je prends mon pied. Demain, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont pas venus, qui se sont pas déplacés, qui sont restés chez eux pour regarder tout ça à la télé? Ben, franchement, je sais pas. Comment s'il plaît pour qu'ils puissent venir demain? Franchement, le carnaval à Bastère, voilà. C'est super. Venez. T'as entendu? Venez. À S-Room, là. Bien sûr, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Mais consommer avec modération. Celui qui boit ne conduit pas. Il reste. Ah ouais? Non. Bastère. Ok, donc ça ne conduit pas. Maintenant, c'est des cinémas là. Ok, donc nous revenons à casa d'aller. C'est ça, c'est le carnaval, les interventions de feu, de folie. N'hésitez pas à voter hein, via les réseaux sociaux pour votre groupe préféré. Et là, tout de suite, si je ne me trompe pas, c'est Carmelo qui va faire son entrée sur le tapis rouge. Encore une fois, il y a toutes les générations. Encore une fois, ils sont lumineux à souhait. On aime ça. Sébastien, c'est beau. En plus, regardez, il fait beau, il ne pleut pas. On a eu peur au début quand même. Le char que l'on s'apprête à voir est phénoménal. Vous verrez encore une fois le char, comme vient de vous dire Lisa, est vraiment magnifique. On n'ose même pas imaginer le nombre d'heures de travail sur ce char. C'est incroyable. Il faut vraiment saluer leur travail. Il est important de saluer leur travail. Parce que ce que vous allez voir là, on se demande quelle imagination, de quel cerveau ça sort, parce que c'est vraiment. Il y a dû y avoir des heures de travail hein, pour ce genre exactement, de char. Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va à chaque fois saluer tous les carnavaliers et tous les artisans. Merci pour le spectacle que vous nous proposez aujourd'hui. C'est vraiment, comme dirait mon ami Eric, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. On va laisser bien sûr Carmelo from Bastet. Carmel, on salue bien sûr le Carmel. Arrivez. Regardez. Encore une fois, on salue la porteuse de drapeau, bien entendu, parce que ça c'est un vrai travail, un vrai boulot. Et bien sûr, on regarde bien sûr la nouvelle génération qui est là déjà. Bien sûr, c'est lundi soir. Et elles sont déjà en mode carnaval. Là, vous pouvez voir le char qui est vraiment magnifique. Le char, oui, avec les yeux rouges. Eh oui, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente la diablesse? Ça m'a l'air d'être une diablesse avec des yeux rouges comme ça. Et oui, et avec une coupe atypique. Elle sourit, les diablesses. En tout cas, elle sourit, mais c'est souvent ça. Les diablesses sourient souvent. Eh oui, pour mieux vous charmer, c'est comme ça que ça se passe. C'est la beauté du diable. On va essayer d'interviewer justement la porteuse de drapeau. Est-ce qu'on peut vous interviewer 2 secondes? Est-ce que c'est dur de porter le drapeau? C'est pas sportif. C'est un petit peu, mais ça va. On a pas mal au moins. Avec plaisir. Quel est le thème aujourd'hui de Carmelo? Alors, c'est la déesse de lumière. La déesse de lumière. Et justement, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la déesse de lumière? Alors, c'était des groupes qui étaient divisés. Ouais. 4 groupes qui étaient divisés. Et pendant longtemps, et maintenant elle est revenue, elle a ramené la lumière dans les groupes. Merci. Les 4 groupes sont réunis et dansent tous ensemble. Et ben en tout cas, merci d'amener la lumière ce soir à Bastère. Parce que c'est important que de lire le nouveau ressenti de Carmelo. Mais l'histoire est belle. Le groupe Carmelo, alors, qui se prépare Carmelo, pour les 2 minutes 30. Ce soir, c'est la déesse des carmes. C'est ça? Vous êtes tous des déesses des carmes? Alors je vais vous expliquer parce qu'elle prend le tour. Hein. Alors. Tim, est-ce qu'elle a beau
en assise. Autrefois, ça va, monsieur ? Autrefois, il faut que j'aille à la lumière parce que vous me faites de l'ombre avec vos chapeaux. Et je vous assure que c'est long. Mais il faut comprendre, on doit tout lire. J'ai essayé de faire un résumé, mais ça ne marche pas. Ah, pas forcément. Mais moi, j'ai envie de tout dire. Ah, tant mieux. Pour m'encourager, eh bien, je vais rien dire. Voilà. Alors, autrefois, sur l'île existait un pays qui s'appelait le pays des Carmes. Ah, pas les Carmes, dit-on ? Le pays des Carmes. Il se composait de 4 tribus. Une vivait en bordure de mer, c'est-à-dire derrière nous, là-bas. Et se distinguait dans des autres par la bonne entente entre les citoyens et une douceur de vivre. Là, tout n'était qu'harmonie. Tu aurais été dans ma classe ou déjà au bout des tableaux là. Donc, on disait que dans cette tribu, tout n'était qu'harmonie. Elle fut désignée pour les anciens, pour représenter tout le pays. C'est-à-dire qu'on... Ouais. Et après, ça allait la cour des comptes passer. Par une nuit sombre, Zizani, un vilain petit génie s'amusa à glisser une minuscule graine dans le cœur de certains habitants des 3 tribus. On est d'accord, des autres tribus. La semence, bien vite, y germa et les infestants, la brouille, la désunion et même l'erreur devinrent leur quotidien et bientôt, ils s'unirent tous pour détruire la tribu de bord de mer. On connaît cette histoire. Chez nous, ça va arriver souvent. Mais pour vous, putain, on va tout faire à la famille. Là. Il veut dire que toujours qu'on est. À nous, hein. C'est notre parole, c'est parole là, non. Le dieu de la mer, protecteur de cette tribu, courroucé par leur attitude malveillante, les plongea dans les ténèbres, semant ainsi chez eux une confusion encore plus grande. Et ça n'est pas terminé, monsieur, parce qu'on va vous mettre à côté de madame de la déesse des Carmes. Mais là, ok, moi-même, puisque si vous parlez, même bouger. Alors. Volcania, déesse du feu. Volcania, déesse du feu de Volcania, qui danse même sur les applaudissements. Volcania, donc déesse du feu, prise de compassion, plaida alors en leur faveur. Elle convoqua sur la grande place un membre de chacune des 4 tribus. À l'heure convenue, ils attendaient qu'elle ne fût leur stupéfaction lorsqu'une boule de feu vint s'écraser à leurs pieds. C'est ça qui arrive, nous. Et une main invisible ben, poussa les 3 autres chefs dans le trou. Alors on va passer tout ça parce que sinon on sera là pour demain matin. Tout ça pour vous dire que sidérés, plus intrigués, les habitants de toutes les tribus accoururent et furent pris de panique en voyant le spectacle de leurs représentants pris en otage par ce cratère rougeâtre et ne pouvant leur venir en aide. La voix caverneuse s'éleva de ce trou, je suppose. S'éleva de nouveau, laissant de trouver une solution avant la pleine lune prochaine, dit-on, pour que le calme revienne en ces lieux, sinon le cratère se refermerait avec leurs représentants, tandis que les ténèbres régneraient désormais sur l'île. Ça, on ne veut pas de ça. Arrangez-vous, vous rappelez les choses. Attends. Vous êtes 80 dans le groupe. C'est écrit sur le papier. Je connais vos noms, vos adresses et tout ce qu'il y a. Si ça ne marche pas, je voudrais vous voir. Alors, vous avez 2 minutes 30 pour calmer les ardeurs de tous ceux qui sont ici. On va commencer par la troisième rangée, le premier rang ici. 5, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, calmez. Thank you.
le groupe Carmelo de Basse-Terre. Et oui, on salue Carmelo, on salue toutes les communes de la Basse-Terre, encore une fois. Toutes les générations sont là ce soir, dans, réunies comme ça sur le tapis rouge. C'est beau à voir, une transmission. Ah oui, il y a vraiment, un héritage qui est transmis, un héritage de ce patrimoine, qui est le carnaval. C'est vraiment extraordinaire de voir différentes générations participer à ce grand défilé. Exactement. Encore une fois, on va vous laisser profiter. On va les raccompagner, tout ça en musique. Sera au rendez-vous. Je vous ai dit, vous avez encore le temps, si vous êtes à Basse-Terre, de venir. Ils vont faire le tour vraiment de la ville. Ils vont passer devant la cathédrale, passer devant la mairie et finir près du palais de justice. Donc vraiment, vous avez le temps. Venez profiter. La fête ne fait que commencer avant la grande parade de demain. Avant la grande parade de demain et avant le terminus de mercredi. Exactement. Juste un petit rappel, bien sûr, parce que c'est important. Petit rappel routier, petit point autoroute. On vous rappelle que demain, dès 10h du matin, la circulation, le stationnement, bien sûr, tout ça, ça sera interdit. Oui, parce qu'il faut laisser la place. Il y aura les barrières, mais vous pourrez venir déjà. Je sais que le public de Guadeloupe aime venir très tôt avec ses chaises, avec son petit encas, bien entendu. Mais à partir de 10h, il n'y aura plus rien pendant que Waka arrive. Tout à l'heure, on avait un cristal qui était sans doute un cristal de roche. Là, on a un autre cristal plus coloré, de couleur un peu plus violette. C'est l'améthyste. Voilà. Aujourd'hui, c'est la pierre précieuse de Waka. C'est l'améthyste. Bien entendu, on va vous laisser profiter de tout ça. On va vous laisser profiter encore une fois du char qui est vraiment encore une fois merveilleux. On ne sera jamais fatigué. On va encore saluer les carnavaliers, les artisans. Regardez-moi ce char qui arrive sur le tapis rouge. On vous laisse vous enjailler. Encore une fois, le joyau, derrière le joyau, il y a encore un autre joyau. Exactement, elle a trouvé la bonne parole. Je la sors deux fois. À tout de suite.
le groupe Waka qui nous vient de Basse-Terre, donc qui joue à domicile aujourd'hui. Exactement. Et dont le thème est l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre fine, une pierre semi-précieuse, et qui symbolise la spiritualité. Alors est-ce le message qu'ils veulent laisser passer? Je ne sais pas. Exactement. Vous voyez que là, on est en mode purple, en mode violet. Vous avez dit c'est l'améthyste. En tout cas, la reine est magnifique. Ces danseuses et danseurs sont magnifiques. Encore une fois, l'ambiance est au rendez-vous. On aime ça, c'est la parade nocturne, éclat lumineux. On va vous laisser écouter l'explication. A tout de suite. Parce qu'il y a aussi des hommes, vous êtes tous des prêts précieux. Alors, selon une légende grecque dans la mythologie, la nef, Améthyphos, attendez, j'ai dit, c'est Améthystos. C'est ça qu'on peut faire. Exercice de l'âme, Améthystos, donc je disais, c'est Santé, batterie avant, des villes. Et ça vous fait rire. J'aime ça. Quoi, et moi, je parle toi l'homme, mais attends, c'est juste pour vous faire rire. Bon, alors. Oui, madame. J'adore votre rire. Et puis, j'aime bien votre façon de faire comme ça. C'est moi qui aime ça. C'est bien vous. Ça va, vous? Vous voulez essayer tout à l'heure, non? Ah, ben, depuis le temps, on a beaucoup. J'ai entendu depuis dans la voie de madame, là. Regardez. D'ailleurs, allez-y pour le prochain entraîné, professeur, en parlant. Bon. Donc, alors, je disais que dans la mythologie grecque, où allez-vous? Ah, d'accord. Vous l'avez accompagné? Pour en être certain. Je vais vous en dire pour vous permettre de respirer, surtout toi. Tu es magnifique, là, j'ai bien, merci. Voilà, ça fait un petit peu Miss Guadou. Merci. Bon, soyons sérieux. Alors, on disait donc que dans la mythologie, Améthytos était poursuivi par les ardeurs du dieu Dionysos. Oui, mais Améthytos, on savait qu'à Vassica, ils étaient tranquilles. Mais il n'a pas mal. Bon, on va quand même vous faire la vie de l'Ordre Dionysos. Donc, si on reprend avec les termes, les nouvelles expressions, ça va, madame? Bien. Tu dois encore te déplacer? Tu vas me prévenir, hein? D'accord? D'accord. Bon. Alors, pour la protéger, la déesse Artemis la transforma en roche de cristal. C'est pas gentil, ça. Enfin, même si c'est pour la protéger. Alors, humilié, Dionysos renversa sa coupe de vin sur la statue de cristal, lui donnant ainsi cette couleur pourpre violacée. C'est ça? Jusqu'à maintenant, je ne me trompe pas. Bon. Cette pierre ayant des vertus apaisantes, on cherche vraiment à vous apaiser ce soir. Après la déesse des câbles, maintenant, c'est une pierre qui a des vertus apaisantes et protectrices. Waka vous l'offre ce soir dans un écrin de lumière. On applaudit ça. Vous êtes protégé, vous êtes apaisé, vous êtes précisé et vous êtes applaudi. Alors continuez d'applaudir. Waka, mais on va essayer d'apaiser tout le monde, hein, et de mettre tout le monde d'accord. Je crois que c'est la Guadeloupe qu'il faut apaiser. C'est le monde entier qui a besoin d'apaisement. Alors essayez que, dans votre chorégraphie d'envoyer beaucoup d'apaisement à tous ceux qui sont plus ou moins dans la tumulte dans le monde. On est d'accord? Alors, 5, tout le monde a respiré. C'est pour permettre de respirer en avec tout ça, les hommes. Alors 5, 4, 3, comment monsieur? Pas de mauvais élèves sur les rangs. Bon. 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Thank you.
groupe Waka. Et oui, on est toujours à Bastia, c'est la parade lumineuse. Et oui, tout était dans l'apaisement. Vous avez entendu l'explication. Encore une fois, c'est merveilleux. Je vous rappelle que si vous êtes sur Bastia, je vous invite à aller au cœur de Bastia parce qu'ils vont faire le tour devant la cathédrale, devant la mairie, afin de finir devant le palais de justice. Donc vous avez encore le temps de venir. Je voudrais encore saluer le travail des carnavaliers, parce que là, la métisse est représentée non seulement en pierre, mais aussi ils ont fait un travail au niveau de la représentation de la géode d'améthyste. C'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique. Encore une fois, ils vont quitter le tapis rouge, mais ça, toujours en lumière. On vous rappelle, on est à Bastia. A tout de suite. Stress, c'est un petit peu le but du jeu pendant le carnaval. C'est vraiment de se défouler, de se relâcher. Et là, tout de suite, ils vont vous défouler, vous faire vous relaxer. Encore une fois, il y a le char qui arrive. Encore une fois, il y a de la lumière qui arrive. Il y a de la musique qui arrive. Bref, et des masses. Et des masses. Et oui, encore une fois, je tiens aussi à saluer le public qui est derrière nous, qui vraiment participe, met l'ambiance, se lève, applaudit. Honnêtement, le public de Bastia, vous êtes vraiment authentique et au top ce soir. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent, que vous soyez à Londres, que vous soyez en Suisse, Belgique, Canada, New York, ou Miami. Ou dans le Pacifique. Ou dans le Pacifique, encore une fois, bien entendu. Vous êtes en Guadeloupe, l'un des plus beaux carnavals de la Caraïbe, où vraiment nos carnavaliers font un travail extraordinaire. Ambiance masse arrive. On va vous laisser tranquillement profiter de la musique. Vous êtes sur ETV, chaîne 23 en HD. Et n'oubliez pas de voter via les réseaux sociaux pour votre groupe préféré. Dites-nous quel est votre groupe préféré. Ambiancez-les, encouragez-les, parce que franchement, ça fait plaisir encore une fois. Ça vaut le coup. Ils arrivent.